Bonjour, je m'appelle Maëlys et je suis cavalière aux écuries Lefebvre. J'ai 12 ans et je suis cavalière aux écuries Lefebvre depuis maintenant un an. Et ça fait 8 ans que je monte à cheval. Je vais vous présenter ma jument qui s'appelle Danseuse Zodé, qui a aujourd'hui 5 ans. Et c'est une Lucky PS. J'ai fait les concours depuis que je suis toute petite, mais depuis que j'ai eu ma jument, ça fait un an que j'en fais avec elle. Je tourne en prépa 60 pour l'instant. Bah, pour le moment, je suis pas vraiment classée parce que comme c'est des préparatoires, bah, y a pas vraiment de classement en fait. Mais je fais souvent des sans-fautes avec elle, ce qui est très bien. Dans ça, c'est plutôt calme à la maison. Après, ça dépend vraiment. Parce que les puissants, faut savoir que c'est des éponges. C'est-à-dire que si, admettons, leur cavalier il est stressé quand il arrive, forcément, les chevaux seront stressés, auront peur de tout. Et si, admettons, le cavalier est très détendu et très zen, bah forcément, le cheval sera pareil, en fait. Et en concours, bah, franchement, ça dépend. Parce que j'en fais pas trop avec elle pour l'instant. Mais sur les concours que j'ai pu faire avec elle, franchement ça s'est vraiment bien passé. Elle était très calme. Bon, juste à la détendre parce qu'il faut savoir qu'elle a peur des autres chevaux. Ce que notre couple devrait améliorer, franchement, c'est pas vraiment elle, c'est plutôt moi qu'il faudrait que je me déstresse quand je suis sur elle. Parce qu'il faut savoir que je suis une grande stresseuse, on va dire. Que je stresse très facilement et que je suis vite tendue. Alors notre petite habitude, c'est souvent avant de monter, je la dégaze dans le manège pour qu'elle soit plus calme quand je la monte. Et après, surtout, la grande habitude qu'on a, c'est que à chaque fois que je la sors, en fait, je sais pas pourquoi, elle fait tout le temps des câlins. Donc pour elle, je pense que c'est une habitude. Si je devais la qualifier en trois mots, ça serait calme, gentil et surtout, elle a un grand cœur. C'est-à-dire que même les exercices qu'elle sait pas faire, qu'elle a jamais fait, elle va tout le temps donner le meilleur d'elle-même pour réussir et pour me faire plaisir. Le cavalier que j'admire le plus, franchement, c'est Pénélope Prévost. Si je devais donner un conseil à tout cavalier, c'est franchement de faire confiance à son cheval et surtout de monter très détendu parce que franchement, ça a vraiment un impact sur votre monte et sur le temps que vous allez monter votre cheval. Si vous avez des questions à poser à ce couple, on se fera une joie d'y répondre en commentaire.